Yo les gens, aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, ça va être notre dernier épisode de ce Let's Play sur Moss en réalité virtuelle. On sent vraiment qu'on approche de la fin avec notre petite souris. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode. Je vous rappelle que jusqu'à présent, nous étions à la recherche de notre oncle qui est parti suite à la découverte d'une mystérieuse relique de verre. On a débloqué un certain nombre de niveaux et de capacités pour notre petite souris. Et donc, je vous propose aujourd'hui de regarder ce dernier épisode. Je vois pas trop où est la suite. Ah, ici, ok. On va éviter de te faire tomber, hein. Comme ça, par exemple. Ok. Allez, on monte. Et nous voilà à la surface, ok. Eh ben, il y a du monde. Chut. Pas bouger. Elle est vraiment énervée, hein, cette petite souris. Bon, ça peut se comprendre. Hein. Bon, par contre, ce petit serpent m'a bien fait flipper quand même sur les niveaux précédents. Mais content de pas avoir eu à le battre. Oh, les décors. Ah, ils sont chouettes. Oh la vache! Alors peut-être qu'en vidéo ça rend pas pareil, mais les sensations sont vraiment géniales. Avec le casque, l'immersion est plutôt bien foutue. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire ce petit levier? Ok. Ok! Bonjour petit serpent! J'ai pas compris. J'étais bloqué, mais je pense que c'était peut-être plus un bug qu'autre chose alors. Et on peut pas la diriger, l'arbalète, c'est vraiment que dans cette direction là. Ok. Voilà. Ah d'accord, c'était volontaire sur ce... d'accord. Bon. Je pense qu'il va nous surprendre encore une paire de fois. Je le sens bien comme ça en tout cas. Toi, tu bouges pas. Ah, là, on va casser des caisses. Ok. Oh, il y a un passage en dessous. Qu'est-ce que ça va nous donner, ça? Ça devient quand même de plus en plus intense, hein. Je veux pas dire, mais... On ressent de plus en plus la pression. Oh la vache. Ouais, il est vraiment pas loin, je pense qu'on va finir par se faire un petit face-à-face entre lui et moi. Alors là, je vois encore l'arbalète, je pense qu'il va falloir courir et mettre un coup. Dépêche-toi. Waouh. Comment faire pour aller plus vite?
feu, feu, feu. Encore ? Petite musique toute joyeuse. Ah ok, d'accord, le passage est par là-bas. On s'approche de l'entrée du château là-bas. Puis là, avec ce serpent, je prends à peine le temps d'analyser les niveaux. Parce que je me dis qu'il peut débouler d'un instant à l'autre. Non ! Allez, comme si de rien n'était. Super. Est-ce que... Mais quoi ? Il faut que je me dépêche en fait de traverser et de sauter quoi. Oh là là. Dépêche-toi. Oh là là. Je vais finir par y arriver. Ou pas. Ou pas, ou pas. Allez. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi. Vite, 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 vite. C'est pas passé loin, mais c'est passé. Oh là là, de l'agilité, c'est pas mon fort. Hein. Avec la pression en plus, non. Ça, c'est clairement pas pour moi, c'est sûr. Allez, 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 allez. Ok. Là, il faut sauter. Ensuite. Vas-y, cours, cours, cours. On s'en fout. On sait qu'il est pas beau. Oh là là. Ah, puis je prends les chemins. Je suis même pas sûr de ma direction. C'est une horreur. Non. Non. Ah, je me suis un petit peu loupé. J'ai voulu me tromper de direction. Ah, génial. On reprend d'ici. Ok. Allez. Allez, on se dépêche. Parfait. Encore. Ça devrait passer, ça devrait passer. Ok. Oh là là, il y a un bouton rouge là-haut. Des bestioles qui vont me sortir de je ne sais où. Ah, puis je me précipite sur les chemins sans savoir où est-ce qu'il faut aller. C'est horrible. Dépêche-toi. Ah, mauvais timing. Ah ok, d'accord, je crois que j'ai compris. Je viens de comprendre, j'ai vu la tyrolienne là-haut. Donc là, faut que je me dépêche. Il vaut mieux que j'évite d'être dans son axe en fait, au moment où... Aïe, aïe, aïe. Les vieux réflexes de... Mauvais en agilité reviennent. Ça, c'est pas bon. Esquive. Ok. Parfait. Avec un peu de chance. Ça devrait passer. Oh oh. Super ça. Allez, le bouton, le bouton. Pas compris. Ok. Ça me paraît un poil facile. À mon avis, il est pas mort. Non.
Je le sentais. Ah, génial. Oh, le coup final. Je sais pas si c'est le coup final, hein, mais... en tout cas, c'était vraiment super beau. Je me demande où est-ce qu'elle mène cette petite porte là. Waouh, waouh, waouh. Allez, vas-y, fonce. Oh, c'est super beau. Parcourait les couloirs silencieux. Mon oncle ! Mon oncle ! Criait-elle. Mais seuls ses échos lui répondaient. Quill, c'est vraiment toi? Tu dois partir d'ici, si Sarfog te trouve. Mon oncle, Sarfog est mort. La voix de l'oncle Argus tremblait. La relique, le lecteur, vous êtes liés. Je voulais juste te protéger de tout ça. Tu ne peux pas porter ce fardeau toute seule. Je ne suis pas seule. Ma petite Quill, liée au lecteur, est si forte. Nous sommes en sécurité maintenant, dit-elle d'un ton assuré. Rentrons à la maison. Non, Quill. Tu n'as jamais été aussi vulnérable. L'oncle Argus répondit d'une voix faible. Les Archons ne s'arrête pas à Sarfog. Il nous faut retrouver la relique du roi. Elle est cachée ici, dans ce château. Où est-elle? Nous sommes prêts. Voilà un début prometteur. Pendant longtemps, les forces de l'ombre n'ont cessé de vouloir nous conduire à notre fin. Mais ton lien avec Quill est de plus en plus fort. Vos destins, bien qu'ils ne soient pas encore écrits, sont maintenant liés, et l'espoir renaît. Votre voyage ensemble vient juste de commencer. Repose-toi maintenant, cher lecteur. D'accord. Nous repartirons. Eh bien, ça nous laisse sous-entendre qu'il y aurait une suite. Mais a priori, cette partie-là est terminée. Eh bien, franchement, je me suis régalé. Je me suis vraiment régalé, ce jeu était super sympa. On a vraiment hâte d'avoir une suite. Eh bien écoutez, je pense que cette série est maintenant terminée du coup sur ce jeu. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusque là. Et puis ben moi j'ai plus qu'à vous dire très certainement ciao, à la prochaine. And in its shadow find you.